Voilà, shalom, shalom à tout le monde à vous. C'est le pasteur Serge depuis Divo, le centre pionnier de l'église Pentecôte authentique internationale de Divo. Nous sommes à cette date du dimanche 21 juillet 2019. Nous sommes là ce matin pour écouter des témoignages, ce que Dieu a apporté dans la vie de nos bien-aimés, ces personnes vraiment qui étaient animées d'un esprit qu'on appelle la sorcellerie. Alors nous allons écouter le témoignage du frère Si Antoine, c'est un jeune frère qui est venu d'Abidjan, voilà, qui est venu d'Abidjan lui-même, qui est venu de lui-même pour se faire délivrer. Il est venu de lui-même pour chercher la délivrance. Donc on va écouter son témoignage. Ce jeune frère, le voici qui est arrêté auprès de moi. Il va se présenter et il va nous dire qu'est-ce qu'il avait avant. Bon, Dieu merci. Mon nom c'est Si Antoine. Moi, j'étais associé, je tue les gens, je détruis les gens, j'ai tué au moins quelque chose de 25 personnes, je tue les gens, je suis à l'église là-bas, mais malgré tout ça, Dieu m'a apporté, je suis venu à l'église, le prophète. Donc, je suis arrivé, depuis je suis venu jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a fait une effort pour enlever cette situation qui était sur moi. Le prophète a fait mon travail depuis avant-hier jusqu'à présenter aujourd'hui. Tu étais quoi quand tu venais ici? Je suis venu. Quand tu venais ici, tu étais quoi? J'étais un sorcier. Maintenant, qu'est-ce que tu avais fait avec ta sorcellerie? Sorcellerie, je tue les gens. Tu tuais les gens? Oui. Tu les tuais comment? Je suis avec les gens parce que mon pouvoir c'était un chien. Donc, tu t'es transformé en chien? En chien pour suivre. Pour tuer les gens? Oui. Tu avais tué combien? Quelque chose de 25. 25 personnes? Oui, moi. Et qu'est-ce que tu avais fait encore avec cette sorcellerie? Et puis, j'ai commencé à détruire les gens et puis pour chier à l'église. Mon nom, c'est Si Antoine. Je suis libéré à 100%. Ah, tu es libéré à 100%? Et oui, moi. Les enfants l'ont quitté là. Les enfants l'ont quitté là. Tu es libéré à 100%? Oui, moi. Comment tu es venu au centre? Comment tu t'es retrouvé au centre? Bon, il y a une femme qui est venue et puis elle a dit mon nom, papa. Et puis ma petite soeur. Elle est venue au centre ici, c'est ça? Oui, oui, papa. Et puis elle a dit quel nom? Elle a dit mon nom, Si Antoine. Oui. Que on travaille ensemble avec dans ce série. Donc quand elle m'a dit, ma petite soeur, Josephine, elle m'a appelé pour dire que non, la fille, on est venu pour aller libérer la fille, elle a dit ton nom. Donc, viens, tu vas la parler si vraiment, si tu es un sorcier, parce que moi, je ne connais pas. Je veux que tu vas venir travailler, tu fais avec elle, là, tu vas quitter dans cette situation, parce que c'est toi seul, tes enfants avec ta maman. Mm-hmm. Donc, c'est là, je suis venu. Mais avant que je suis venu, elle a fini d'abord, quand elle est partie, c'est là que je suis venu pour mon pasteur. Okay. Donc celle qui a dit que tu travailles avec elle, avec oui. La sorcellerie, oui. La vie, elle a vu faire sa délivrance. Oui, oui, papa. Et puis elle a dit que toi, comment t'appelles? Si Antoine, papa. Si Antoine est dans la sorcellerie avec moi, c'est oui, ça? Oui, oui, papa. Et puis elle est partie déjà, c'est ça? Oui, oui, papa. Parce que le temps... Maintenant tu es venu. Hein? Et toi maintenant tu es venu, c'est ça? Oui, oui, papa. Et quand tu es venu, tu reconnais ou pas? C'est ça, papa. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis sorcier, papa. Donc tu es venu pour quoi? Pour libération. Pour te libérer? Oui, oui, papa. Parce que moi, c'est quoi? Hein? Libérer de quoi? Pour par rapport à ce sorcellerie-là, je veux que ça a quitté sur moi parce que mon situation est trop forte sur moi, mon avis, je ne comprends pas. Moi avec mon femme, avec mon enfant. Je veux que. Tu as vu? Donc tu es venu pour que toi, ta situation, que tes enfants se libèrent. Oui, papa. N'aient plus fait du mal. Oui, oui, papa. Je n'ai pas compris. Je suis venu. Parce que le sorcellerie qui est sur moi, la difficile dans ma maison, avec mon femme, avec mes enfants. Parce que tout ce que je touche, ça ne mange pas. N'importe quoi où j'ai. Ça, c'est chez toi la maison. Oui. Est-ce que le sorcellerie, là, ça ne gâte pas? Ça gâte, papa. Tu n'as jamais tué?
Non, papa, je l'ai tué. Hein? Je l'ai tué. Il a déjà tué. Ouais, il a tué, papa. Tu as tué? Oui, papa. Combien de personnes? Bon, papa, ce que je connais, c'est 25. Tu as tué 25 personnes? Oui, papa. 25? Oui, papa. C'était au village. Hein? C'était au village à Libéria, c'est pas à Côte d'Ivoire. Parce que la personne. Non, papa. Et quitté où pour venir? Hein, papa? Tu es quitté où? Je suis quitté à Vidikana, Abidjan. Et tu es quelle ethnie? Bon, je suis Nanakuru. Nanakuru? Oui, oui, j'étais un pêcheur. Mais actuellement, je n'ai plus pêché encore. Je suis un vigile pour insécurité en paix, Sécuripro, à Vidikana. Donc tu dis, tu as tué combien, Antoine? Bon, papa, c'est le 25, je le connais, papa. Hein? C'est le 25, je le connais. Parce qu'il y a un jour où je ne le connais pas. Et tu as détruit des gens, c'est ça? Oui, papa. Qu'est-ce que tu fais pour détruire les gens, la vie des gens? Tu fais comment? Bon, le premier, il a couché avec ma petite soeur dans la société. Hein? Il a couché avec ma petite soeur dans la sorcellerie. Elle est où? Elle est à Abidjan là-bas. Mais elle a quitté ici. Vous avez fait des enfants là-bas aussi? Non, papa. Et donc toi, tu peux en faire un enfant? Non, papa, c'est pas ce qu'il y a. Et puis après, il a gâté la vie, mon petit frère, on appelle Ouyato. Il a gâté son argent et il va venir en Soula. Mais lui, il est déjà quitté ici parce que sa femme qui était un sorcier, parce que c'est elle avec moi, on a fait. Donc elle, lui-même, il est quitté ici, on a lavé lui. Et donc tu avais pris de sa femme, vous avez gâté son argent? Oui, papa. Comment tu fais? Bon, il a demandé l'argent avec lui, et puis il a amené ça dans la sorcellerie là-bas, on a mis dans la Caraïbe, et lui, il ne veut pas t'asseoir dans la maison. Quand il touche l'argent, il va venir à Souda. Il va aller payer poisson toujours, il va rester dans la maquille, c'est comme ça. Il voit quoi, après? Non, Kenjus, Pierre. Kenjus aussi? Non, Kenjus là. Il ne boit pas cette bière-là, il boit. Son grand boisson, c'est Guinness. Oui, papa. Est-ce que vous, là, c'est Kenjus, hein? Chez vous, là, c'est Kenjus? Oui, non, je sais ça, papa, c'est Kenjus. Et puis... Qu'est-ce que tu as fait à Vidikana? À Vidikana, là, ce que j'ai fait... J'ai chié sur le fidèle dans l'église là-bas. Hein? Le fidèle. Le fidèle à l'église là-bas. Il dit le fidèle de l'église. Tu vas à l'église? Oui, papa. Je suis dans Kora. Tu es dans quoi? Je suis dans la Kora, à mon choir. Dans la chorale? Oui, papa. Tu connais pas ABC? Chez toi, il n'y a pas ABC? Bon, il y a ABC, mais parce que c'est l'esprit qui m'a poussé. Il n'y a pas là-bas, chez toi. Papa, c'est pas ma faute, c'est l'esprit là qui est trop lourd sur moi. Je ne peux pas le contrôler, c'est lui qui me contrôle pour faire tout ce que j'ai fait. Attends, tu ne peux pas contrôler, tu fais diarrhée à l'église. C'est l'esprit qui me fait ça, papa. C'est malgré c'est tout ça aujourd'hui. Maintenant, je suis venu pour faire la même chose. Quand tu vas à l'église, tu portes une couche. Toi, tu portes une couche quand tu vas. Au lieu de faire diarrhée, tu portes une couche. Comme ça, tu ne peux pas diarrhée. C'est à cause de ça que je suis venu ici, papa. Et il va me pardonner. Comment tu peux aller chier si les fidèles sont venus adorer le Seigneur? Adorons le Seigneur. Et toi, tu fais diarrhée, sur eux. C'est
Ça sent un cas de sorcellerie. Vous savez, quand tu sors d'abord, la poisson, toi. Tu es poisson, tu es fatigué. Bonjour, 21, tu ne gagnes pas. Hein? Quand tu chies, là, c'est pourquoi? C'est pour garder la fidèle à l'église là-bas. Il ne veut pas que l'église va avancer. Ah, peut-être toi, tu t'amuses un peu de Dieu. Les gens vont à l'église et toi, tu chies. Oui, papa, c'est l'esprit qui me conduit. C'est pas là-bas où on a mis le pasteur dans l'église là? Ah oui! C'est là-bas. Oui, c'est l'autre église. C'est ça, papa. Allez-vous, on dit pasteur, mais il est dans l'église. On le cherche, il est au fond là-bas. Elle a foncé le pasteur comme Kanimba. Beaucoup là-bas. Non, 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 attends. Qu'est-ce que vous voulez? Vous mettez pasteur dans Nice, vous faites diarrhée ici, les fidèles. Antoine, c'est toi aussi? Oui, papa. J'ai dit. Oui, papa. Il n'y a pas de WC chez toi. Papa, il y a WC, mais. C'est ça, l'église, la tichy, c'est fidèle. C'est l'esprit qui me pousse pour faire ça, papa. C'est pas ma faute parce que moi j'ai la moyenne. Est-ce que tu te pousses la tiche d'abord puis tu vas? Hein? C'est ça, j'ai pas la faute. C'est pas ma faute. Tu crois à la puissance de Jésus? Oui, papa. Pour revenir ici là, je crois que Jésus est puissant. Parce que depuis que je suis venu ici, ah, c'est là où tu vas par l'église là. Hein? Oh, il faut dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais la prière, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. 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 Il t'accepte. Il accepte. Je t'accepte. Accepte. Comme sauveur. Comme mon sauveur. Speak Frenchly. Ouais, et Seigneur. Et mon Seigneur. Et puis je suis à l'église, hein. Oui, papa. Tu m'entends? Oui, papa. Comme tu réponds pas. Oui, papa. Mets ta main sur ta tête, je veux prier. Je prie que la puissance de ton esprit se manifeste dans la vie, dans toi. Depuis Divo, je réclame une présence dans sa vie, que ta gloire se manifeste et que l'esprit qui le poussait, n'est-ce pas, à la sorcellerie, soit vaincu aujourd'hui. Ce démon qui le contrôlait, qui le poussait à pratiquer la sorcellerie qui était dans sa vie, soit brisé par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je m'adresse à l'esprit de la sorcellerie dans la vie d'Antoine. Tu vas libérer sa vie pour que désormais qu'il devienne personne normale, le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres dans la vie d'Antoine et je brise totalement ta présence. Je te chasse définitivement de sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vienne consumer dans la vie d'Antoine ta présence et sort. Que le feu consume tes œuvres, sort de la vie d'Antoine. Tu dégages maintenant. Sors de sa vie. Sors au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors au nom de Jésus. La puissance de Dieu, sors.
Allez, dégage. 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 Allez, sors. Dégage. Voilà, dégage. Va-t'en. Dégage, 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 dégage. Dégage. Voilà. Libère-le. Libère-le au nom de Jésus. Tu le libères au nom de Jésus. Tu le libères au nom de Jésus. Allez, dégage. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te déloge maintenant. La puissance de Dieu te déloge. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Allez, tu vas. Va-t'en. Va-t'en. Dégage. 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 Totalement de sa vie. Allez, libère-le au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Tu libères sa vie. Sors. Sors de lui. Sors de lui. Quitte la vie. Voilà, sors. Quitte la vie dans toi. Lâche-le. Lâche-le. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Maintenant, le feu. Allez. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu détruit tes œuvres. La puissance de Dieu déloge ta présence. Il te chasse de son âme, de son esprit. Il te chasse au nom de Jésus de Nazareth. Dégage et libère-le. Sors de sa vie. Sors. Aujourd'hui, tu pars. Aujourd'hui, tu pars. Maintenant. Maintenant. Maintenant même, tu dégages et tu quittes sa vie. Maintenant même, tu dégages et tu sors de sa vie. C'est un ordre. Va-t'en. Aucun démon ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. Sur cela, maintenant, je t'ordonne de partir et définitivement quitte sa vie. Va-t'en. Sors. 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 Voilà, va-t'en. Quitte sa vie. La puissance de Dieu te déloge. La puissance de Jésus te déloge. Cette puissance de Jésus-Christ te libère maintenant. Tu dégages de sa vie. Tu dégages de sa vie et tu le libères. Tu libères son âme. Tu pars. C'est un ordre. Tu pars au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Libère-le au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Allez, lâche-le. Allez, libère-le. Le feu. Fire. In Jesus' name. Le feu te consume. Consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Libère-le. Ah là, libère-le. Libère-le, 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 libère-le. Libère au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, je détruis ton pouvoir. Tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir du fétichisme, tout pouvoir de l'envoûtement, tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir d'envoûtement, tout pouvoir de la sorcellerie est brisé aujourd'hui de ta vie. Le démon, il part, il est délogé, il sort de ta vie, définitivement. Ce démon-là sort de ta vie. Je brise le pouvoir des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus. Voilà tout ce qui est dans le nom de Jésus. Tu dégages et tu pars. Lâche son âme. Lâche son âme. Lâche son âme. La puissance de Dieu. Lâche son âme. Dégage. Dégage, mes amis. Voilà, dégage de sa vie. Tu le libères et définitivement par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu ne démonte pas. Pouvoir de la sorcellerie dans votre monde, tout esprit de la sorcellerie te libère. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous proclamons la puissance de Dieu sur ta vie. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire du Christ. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus sur ta vie. Nous proclamons la puissance de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, cette victoire du Christ
Je libère ton âme, ton esprit de toute présence de la sorcellerie. Je proclame la victoire du Christ. Seigneur, merci pour la délivrance et merci pour cette grâce que tu accordes à son âme. Au nom de Jésus, merci pour cette libération. Merci de te manifester dans la vie en toi. Merci pour ta miséricorde et merci pour cette grâce de libérer son âme et son esprit. Amen. Amen. You are free today in Jesus' name. Amen. Antoine. You are free in Jesus' name. Today, you are free. C'est fini. C'est fini. Amen. You are free. In Jesus' name. You are free. You are free. You are free. Aria Goroba, Aria Goroba. Now we are Goroba, 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 now we are Goroba. Now we are Goroba, now we are Ose. Goroba, now we are Ose. Now we are Goroba, now we are Ose. Thank you very much, Father, for what you have done for me. Let God be with you, and your protection should always be in the name of Jesus. Amen. The Lord should well protect you, and every day and night, you're sleeping, my living up. I will always give glory to Almighty God, and together with the pastor that I've met here since I came, what he has done for me. My living up, I will always give him glory. And I ask, Lord, your ministry to advance and to produce and give more merit for things I will be totally. Thank you very much, Papa. Let God be with you. In the name of Jesus. Thank you. God bless you. Ok, donc depuis que Dieu t'a visité, depuis que Dieu a utilisé son serviteur le prophète Joël Kassou, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, depuis avant-hier jusqu'à présent aujourd'hui, je suis très très content. Je dors bien, sans problème. Il sait que vraiment le travail il a fait, il a bien fait. Et puis lui aussi, Dieu ne va te protéger. Et puis Dieu ne va te donner la foi toujours pour faire ce qu'il a fait pour moi. Il va faire ça pour les autres. Bon, qu'est-ce que tu aimerais dire? Il y a certaines personnes qui disent que la sorcellerie n'existe pas. Il y a d'autres qui disent que la sorcellerie, ça n'existe pas. Toi, étant un ancien sorcier, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes qui disent ça? Bon, ce qui est sûr, je vais te dire la vérité que dans la vie, c'est un esprit qui monte sur la personne pour la pousser, pour dire que ouais, pour aller tuer les Mais gens. Mais est-ce que ça existe réellement? Oui, c'est vrai, ça existe. Parce que s'il n'en pas existe, c'est que le nom ne peut pas aller sortir. Donc c'est pourquoi que Dieu merci, ça c'est un esprit qui est spécial. Donc sorcier là, le nom de sorcier là, ça existe. S'il n'en pas existe là, on ne peut pas donner le nom. Ok, aujourd'hui tu es délivré. Oui, papa. Qu'est-ce que tu m'aurais dit à Dieu? Bon, je vais te dire à Dieu merci beaucoup pour tout ce qui... Il a fait pour moi, le prophète a fait pour moi. À partir d'aujourd'hui, je donne tout mon avis avec mon Jésus. Et puis, le avant où j'ai loué là, n'est qu'à remonter ça
plus simple pour ouvrir mon jeu et puis me faire que moi je vais faire un rêve pour connaître mon situation, mon avis. Ok. Lorsque, quand tu venais ici, est-ce que c'est le prophète lui-même qui allait t'appeler pour venir avec toi? Non, c'est moi-même. Ou bien quand tu es venu, est-ce que quelqu'un t'a obligé, quelqu'un t'a forcé à reconnaître que tu es sorcier? C'est quelqu'un qui t'a forcé? Non, c'est pas quelqu'un qui m'a forcé, mais c'est l'esprit qui m'a forcé. Parce que moi, je veux que, mais quand louer mon Seigneur, le problème, quand c'est sur toi, tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'as jamais trouvé une bonne chose, tu n'as jamais avancé, tu es toujours derrière, malédiction, tout ça, ça est sur toi. Donc c'est pourquoi je suis venu pour faire mon délivrance et puis mon famille va rester enfin pour moi aujourd'hui. Donc tu dis merci à Dieu. Voilà, Dieu merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ce n'est pas aujourd'hui, mais ne pas continuer ça, ne pas me protège toujours. Ok. Donc, bien aimé, c'était le témoignage du jeune frère, le frère Sié Antoine. Je vous apprends qu'il est libéré. Il est quitté Abidjan, Verdi Canal. C'est là-bas qu'il est quitté. Il est venu de lui-même. Donc, c'était son témoignage. Il avait l'esprit de la sorcellerie. Et quand il est arrivé ici, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé son serviteur, le prophète Joël Kasso, pour apporter une vie, pour sauver une vie. Pour dépeupler le royaume de Satan. Satan vient de perdre un élément. C'est une victoire sur le monde des ténèbres. Donc nous rendons droit à Dieu. Que Dieu continue de bénir son serviteur, le prophète Joël. Donc voici ce que ce ministère apporte dans la vie des gens. Ce ministère aide les gens à abandonner la sorcellerie. Ce ministère apporte des vies aux gens. Ce ministère donne, oui, l'envie de servir Dieu à certaines personnes qui ne le connaissaient pas. Il a servi Satan. Ça, c'est maintenant dans son passé. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Il dit qu'il avait tué. Aujourd'hui, il dit qu'il dort bien. Il dort bien. Donc, nous rendons gloire à Dieu, que la gloire revienne à Jésus-Christ, parce que c'est lui ce qu'il a fait, au travers de son serviteur, le prophète Joël Kasso. Donc, c'était le témoignage de notre jeune frère, Sié Antoine. Que Dieu continue de vous bénir, que le Seigneur vous fortifie. Shalom à vous.